Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Alors Open Tourism Lab vient d'effectuer un pivot stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors donc on était accélérateur de start-up. On devient maintenant studio d'innovation. Donc en un mot, donc on garde notre activité d'accompagnement de start-up sur des phases d'accélération de leur business et de levée de fonds. Mais on intègre du coup une nouvelle activité, design innovation, qui est là pour aider les professionnels du tourisme à les accompagner dans la stratégie d'innovation. En fait, tout ça vient d'un constat, ça fait depuis à peu près 10 mois qu'on est interrogé par les professionnels du tourisme qui nous disent bah, tu nous as fait rencontrer des startups, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin et nous aider à prototyper, à implémenter ces innovations, à les expérimenter, à les tester. Et donc c'est pour ça qu'on a intégré nous des ressources complémentaires très très centrées usagers, donc des stratégies designers, des designers UX pour pouvoir faire cet accompagnement. Alors justement, nous avons trois startups que vous accélérez tout de suite sur le plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour ? Bonjour Julia, je m'appelle Sylvain Cocheteux, je suis dirigeant d'une startup qui s'appelle Circuit et qui a créé une base de données de 2 millions de points d'intérêt touristiques dans le monde entier, en toutes les langues. Et on accompagne les grands comptes tourisme et les agences de communication digitale dans l'amélioration de la conversion de leur site internet. Bonjour Julia. Aujourd'hui, si tu veux, dans l'événementiel B2B, les maîtres mots des clients sont désormais instantanéité de réponse, personnalisation et juste prix. En moyenne, 60% du temps des professionnels est consacré à la conception et suivi des devis. Chez Esus.io, notre mission, c'est de simplifier le travail des professionnels du tourisme via un logiciel en ligne qui automatise les tâches commerciales et administratives tout en augmentant la personnalisation et, in fine, le taux de conversion. Ok, dernière startup. Et bonjour. Donc nous, on est la société Caprod, on est une agence de production audiovisuelle et on est spécialisé dans le marketing cinéma, c'est-à-dire qu'on propose des solutions de communication, notamment pour les destinations et les acteurs du tourisme, à base de supports cinématographiques comme des documentaires, des séries, en fait tout ce qui est fiction. Voilà. Merci à tous. Merci.